Nous sommes une PME régionale de restauration collective créée en 1989 et que j'ai repris il y a 11 ans. Nous réalisons aujourd'hui 12 millions de chiffres d'affaires et nous avons 240 collaborateurs qui travaillent pour nous sur toute la région PACA. Et on ne peut pas être simplement spectateur de ce qui se passe autour de nous. Nous sommes un acteur économique de la région et il faut qu'effectivement qu'on le fasse savoir. L'axe environnemental, parce qu'effectivement nous travaillons essentiellement avec des producteurs locaux via des circuits courts. Nous avons initié une démarche d'écolabel de tous les produits d'entretien pour qu'on continue à préserver l'environnement. Nous avons une démarche sociétale, parce qu'une entreprise, une PME ne peut pas être simplement spectateur de son environnement, mais elle doit être un acteur de son environnement, et on a initié pas mal d'actions dans ce domaine-là. Et enfin, un pilier gouvernance de l'entreprise, puisque nous avons des partenaires sociaux que nous avons associés à notre démarche et qui partagent le projet de l'entreprise. Alors, on a plusieurs actions que nous avons initiées, comme par exemple une animation anti-gaspille pour sensibiliser les enfants dans les écoles sur le gaspillage. Nous travaillons avec des CCAS pour accompagner les personnes en réinsertion. Nous avons des actions avec le conseil départemental, avec l'intégration des gens en RSA. On a pas mal d'actions effectivement tournées vers l'employabilité des collaborateurs, ce qui en interne donne aussi une image d'entreprise à taille humaine. On est à la fois dans la fidélisation de nos clients et la fidélisation de nos collaborateurs, tout ça pour une meilleure pérennité de l'entreprise.